Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Manuela et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-unes de mes dernières lectures, assez hétérogènes d'ailleurs, vous allez voir. C'est vraiment un survol, sans trop rentrer dans les détails, juste pour passer en revue quelques livres que j'ai lus dernièrement. Donc ce n'est pas forcément des livres qui ont changé ma vie, mais c'est des livres qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent être intéressants et méritent d'être évoqués. Alors on est en septembre, c'est le moment de la rentrée littéraire, donc pour commencer, je vais vous parler d'un des livres que l'éditeur Kalman & Levy a décidé de mettre en avant pour sa rentrée littéraire. Et puisqu'il s'agit de la traduction française d'un roman italien, ben c'est un petit clin d'œil à mes origines. Le livre s'intitule « Chaque fidélité » de Marco Missiroli. Celui-ci est son sixième roman, même s'il n'y en a que trois qui sont traduits en français pour l'instant. « Le génie de l'éléphant » et « Mes impudeurs » paru chez Rivage et « Chaque fidélité » paru chez Kalman & Levy au mois d'août. « Mes impudeurs » d'ailleurs est une vraie merveille. Il a été publié en 2016, on pourra peut-être un jour lui consacrer une vidéo, on verra bien. Mais voilà, ça a été un vrai succès en Italie, un best-seller. Avec Chaque fidélité, il écrit un texte complètement différent et notamment dans le style. C'est l'histoire d'un couple et des sensations, des réactions et des mécanismes qui se déclenchent dans leur vie suite à ce qu'ils appellent le malentendu. En fait, un jour, le mari se fait surprendre dans les toilettes de la fac dans une attitude ambiguë avec une de ses étudiantes. Il dira qu'il s'agit d'un malentendu, on découvrira plus tard dans le texte si ça l'est vraiment ou pas, et qu'il était juste en train de l'aider parce qu'elle avait fait un malaise. Le thème de la fidélité est donc posé, mais attention, pas uniquement la fidélité maritale, mais plusieurs types de fidélité, notamment la fidélité à soi-même. Avec une grande question, dans quelle mesure je dois renoncer à être fidèle à moi-même pour pouvoir être fidèle à l'autre, et inversement, quels écarts je peux m'autoriser dans la fidélité à l'autre pour pouvoir respecter au sens le plus profond du terme ma propre identité. Revenons maintenant en France avec deux livres d'un des grands de la littérature française contemporaine. J'ai lu récemment L'adversaire et la classe de neige d'Emmanuel Carrère et j'ai d'ailleurs acheté un troisième livre du même auteur. J'ai acheté D'autres vies que la mienne qui se trouve maintenant dans la pile interminable des livres en attente d'être lus. L'adversaire est un livre magnifique publié en 2000 qui raconte l'histoire vraie et atroce de Jean-Claude Roman. Cet homme, l'affaire est assez connue, finit par massacrer sa femme, ses enfants, ses parents après avoir vécu 18 ans dans le mensonge et après s'être construit une espèce de fausse vie, de fausse identité. Tout le monde, y compris sa femme et ses parents, croit qu'il est médecin, qu'il travaille pour l'Organisation Mondiale de la Santé, alors qu'en fait il n'a pas fini ses études, il n'est pas médecin, il ne travaille nulle part parce qu'il vit d'escroquerie. Tout cela continue avec cette façade qu'il arrive à faire tenir debout jusqu'au jour où sa femme est sur le point de découvrir la vérité et à ce moment-là il perd le contrôle pour ainsi dire et il préfère massacrer tout le monde plutôt que de les regarder dans les yeux et d'admettre cette vie de mensonge. J'ai vraiment adoré ce livre non seulement pour l'histoire qui est bouleversante en elle-même, ça fait froid dans le dos, mais pour les qualités littéraires remarquables de ce texte. L'écriture est d'une beauté impressionnante et ça interroge sur des sujets profonds comme la construction et la perte de l'identité. Dans La classe de neige qui est antérieure puisque c'est publié en 1995, on trouve déjà la fascination pour ces sujets, notamment l'identité, le mensonge, le côté obscur de la personnalité, le mal. Le livre est intéressant, même si personnellement je l'ai beaucoup moins aimé par rapport à l'adversaire. Pour finir, je reviens à un auteur italien pour partager avec vous L'Italie expliquée aux Français, publié dans la collection Café Voltaire de Flammarion en 2011. L'auteur est Corrado Augias, c'est un journaliste, écrivain, animateur de télévision, intellectuel, protagoniste de la vie culturelle italienne. Il vit entre Rome et Paris, qui est sa ville d'élection. Le livre est assez intéressant, c'est un livre savant pour ainsi dire, qui parle beaucoup d'histoire, mais avec des références aussi à l'histoire de l'art, à la littérature, à la sociologie. Mais c'est un livre qui se lit vite, vous voyez, il n'est pas très long et sans difficulté parce que ça ne s'adresse pas à un public spécialisé et ça donne effectivement quelques clés d'interprétation utiles pour comprendre certaines caractéristiques et même certains faits historico-politiques italiens. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que sur ma chaîne, des contenus sont disponibles dans mes trois langues de travail, italien, français et espagnol. Donc si vous parlez un peu d'italien ou d'espagnol et que vous êtes curieux de savoir ce que je raconte dans les vidéos dans les autres langues, allez jeter un coup d'œil. Des fois les contenus sont les mêmes, des fois pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ci-dessous pour me dire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé, ou alors pour me poser une question. On se voit jeudi prochain avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un livre que j'adore. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais soyez là. Rendez-vous le 26 septembre.